du marché d'assurance qui sera clos normalement fin mars, mais comme pour les assurances, lorsque nous changeons d'assurance, nous avons des délais de carence, bien évidemment, on a lancé des marchés préalablement. Donc nous avons contacté 5 cabinets d'assurance. Nous avons eu réponse finalement de 2. Nous avions fait différents lots de façon à essayer d'obtenir le plus d'avantages possible. Et donc, ont donc été reconnus comme étant le mieux disant. Donc, Groupama, pour ce qui est. Alors, je ne sais pas si vous l'avez dans le bon sens. Je vais vous le sur mon tableau, ça sera plus simple. Pour l'assurance des véhicules et risques annexes, parce qu'on a, nous avons fait des lots en fonction, donc, assurance véhicule, assurance habitation, responsabilité civile, assistance juridique. Donc, je vous donne le résultat. Donc, pour le lot assurance des véhicules et risques annexes, c'est Groupama qui se retrouve la mieux disante pour un montant de 1101 euros. Il va se lever dans le même sens que moi, ça paraît bien. Pour le dossier assurance des dommages, ou bien, alors c'est vrai que la comparaison n'est pas toujours facile parce qu'il faut faire attention à la fois aux franchises, aux garanties. Donc, on a essayé de se débattre avec tout ça. C'est Groupama également qui est toujours la mieux disante pour une prime annuelle de 2 456 euros. Alors les dommages aux biens, ça fonctionne pas mal, parce qu'en ce moment on a pas mal de caillassage sur nos vitres, donc... Ça ne fonctionnera pas éternellement, puisque la sinistralité va augmenter. Ça devient difficile, hein. On a eu 2-3 bris de glace. C'est pour tous les bâtiments, Oui, tous les bâtiments. De la CDC. Oui. Pas cher. Le lot 4, assurance de la protection juridique, donc c'est également au Groupama. Bah, je suis en dessous, bah, attendez, je vais vous mettre celle-là avant, si vous l'avez. Bon, on est retour. Groupama, excusez-moi, pour 628 euros. Et par contre, pour ce qui est de l'assurance responsabilité civile, alors c'est le cabinet Ledoux, donc c'est MMA, pour 1218,62 euros, qui là, pour le coup, est vraiment le mieux de ça. Voilà. Et quand on a 2-3 assurances comme ça, 2-3 compagnies, ça pose souvent des problèmes. Ben là, on s'est quand même posé la question, mais c'est vrai que le cabinet MMA est sur quelque chose d'assez spécifique, hein, puisqu'il est sur la responsabilité civile. Il n'est pas sur les dommages aux biens, sur les dommages aux véhicules, et on a plus de 1 000 euros d'écart quand même avec le Groupama. Donc, ça vaut quand même la peine. Et les biens sont inspectés par les assureurs avant. Il y a une inspection des biens. Pas systématiquement. Moi, ça me paraît. Il y en a qui viennent, d'autres pas. De l'autre côté, à chaque fois, ils viennent, à chaque fois qu'on rajoute un bâtiment, mais ils ne repassent pas systématiquement. Ça ne passe pas à chaque marché, puisque vous avez connaissance quand même des locaux. Donc, vous avez besoin de précision sur ce marché? Qui est contre? Combien de véhicules, c'est là? Deux. Nous avons donc le transport en commun, le petit minibus et la petite Twingo. Ouais. Ce qui serait intéressant, c'est malgré tout pour la partie les dommages aux biens, c'est d'avoir le montant des biens assurés. Parce que vous avez quand même une piscine, tout un tas de. Oui, on a fait un comparatif par rapport justement au. Non, mais le montant, oui, le montant des biens assurés, et après juste. Ah ben on l'a dans les dossiers, hein, mais c'est vrai que je les ai pas là. On parle de quelques millions d'euros. Ah ben bien sûr. Mais là, on est parti sur des comparatifs à assurance égale. Après, on joue sur. Des franchises qui vont jouer sur 10 ou 20 euros d'écart, hein, on n'est pas sur 10 euros. Et comment vous estimez le montant total d'indemnisation, comment il a été estimé? Nous demandons aux compagnies d'assurance leur contrat, donc on leur demande pour l'incendie, vous avez un contrat chez vous, je suppose, un contrat habitation qui vous garantit vous aussi pour vos dommages, donc ça fonctionne de la même façon.
Donc vous avez pour les bris de glace avec ou sans franchise. Non, mais ça se passe pas. Si vous avez un gros préjudice énorme, est-ce qu'il s'arrête à 3 La fois sur les valeurs à 9. Voilà. Par contre, il faut savoir. On aurait pu parler des cadres généraux en commission des finances. De l'assurance ? Oui, des assurances. Oui. C'est ce genre de... Oui. C'est vrai de savoir Savoir quel montant... les bâtiments, dans quelles conditions, oui. etc. Oui. S'interpeller. Bon, moi, je ne suis pas contre, hein, oui. Mais je pense que c'est un travail de commission des finances de faire des estimations, de voir jusqu'où oui, on peut-être. Va en cas de dommage, etc. Non c'est ça qu'il faudrait savoir. Oui. Le préjudice... On est resté sur les mêmes conditions que celles qu'on avait jusqu'à présent. Oui, mais enfin... Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas... On n'a pas repris les contrats d'assurance. Il y a des fois où on prenne des choses... Par contre, on en a rajouté sur les dommages sur les volets, etc., parce que ben, c'était pas pris en charge. Voilà. Donc on a rajouté une assurance là-dessus, parce que ça venait par l'équipe. On a rajouté la mail. Moi, ça me paraît franchement très peu. Hein. Par rapport au patrimoine de la CDC, la ça somme me paraît est quand très même, peu. Oh, la somme est quand même pas négligeable. J'ai pas dit ça, mais on assure combien de millions d'euros là Groupama est extrêmement compétitif oui. par rapport à d'autres oui. compagnies. Moi j'ai pu le constater, j'ai consulté 3 compagnies différentes et on a le même problème. Oui. Donc voilà, on a établi un système. C'est pas ça qu'on veut soulever. Non, non, là, c'est, non. Pas. Non. C'est le lien. Non, non. On a établi, si vous voulez, pour chaque compagnie, on a aussi établi un système de notation pour savoir bah, justement quel était le risque maximum garanti, quelle était la franchise, quelle était. Là, de façon à trouver un mieux disant. Parce que la tendance n'est pas à la baisse. Hein. Ah ben non, elle n'est pas à la baisse, elle n'a pas baissé non plus. Moi, j'ai reçu encore un courrier il n'y a pas longtemps de l'assurance me disant que. Il y avait une hausse, c'est significatif. Donc aujourd'hui, après, les prix correspondent vraiment à ce qu'ils garantissent. Mais là, c'est pas, on n'a pas fait que les prix. Hein, parce que je veux dire, on a mis aussi des coefficients donc, par rapport à aux garanties et aux franchises. Parce que la franchise, c'est aussi quelque chose de très important. C'est quand vous avez des vitres comme ça à côté, vous avez des franchises énormes. Ça va vite, hein. Ça va très vite. Alors c'est vrai aussi qu'on a des contrats à groupe. En collectivité territoriale, c'est très très bien passé. Les prévisions des bris de vitres, on doit jouer avec le code, ça arrive quand même fréquemment. On envoie la facture tout de suite. On n'a pas de problème de remboursement. Pour reprendre ma question, si demain la piscine de Seton s'enterre tout doucement, est-ce que la couvre tout le préjudice. Voilà, c'est non, mais là, si elle s'enferme de tout ça, il risque d'y avoir aussi un recours sur les dommages, sur les décennales. C'est l'assurance qui va en recourir. Alors ça, c'est ça va être aussi sur les décennales, et là-dessus, on a la protection juridique, puisque c'est ce qu'on fait fonctionner actuellement sur la piscine, d'ailleurs. C'est, hein, c'est pas le bon exemple, c'est l'incendie. Oui, l'incendie. Voilà, l'incendie, oui. Mais pour l'incendie. Pour l'incendie, il faut assurer la valeur à 9. J'ai pas toutes les conditions en tête, parce que c'est pas une meule. Évidemment qu'on va pas assurer la même chose, le local, l'ancien local d'été, et puis la piscine. C'est pas toute une chance, hein, on est sur des clauses. Bon, moi, je vous propose d'entériner, parce qu'on ne peut pas rester non plus sans assurance, parce qu'on va plus faire attention aux franchises, aux délais de carence que l'on pourrait avoir. Mais par contre, je propose à la commission donc, des finances et du personnel au cours de l'année là, 2012, de voir, d'explorer comment exactement on est garanti, de façon à voir s'il faut faire un rajout des modifications, parce qu'effectivement, c'est tout à fait pertinent. Je veux dire que dans plusieurs têtes, il y en a toujours plus. Tout à fait. Il y a un d'entre nous qui pense à... Oui. Oui, oui. Donc on mettra ça à l'ordre du jour au printemps, parce que là on va avoir les budgets, donc on va avoir d'autres chats fouettés, je pense, que se pencher sur nos clauses. Mais par contre, il faut déjà avoir une bonne assurance. Et voilà, on sait que Groupama est une bonne assurance, donc c'est qu'on l'utilise. Mais bon, en effet, la commission des finances peut tout à fait. Sur la valeur des biens, sur si ça lui paraît correct, si ça se trouve, on en repartira de la même façon qu'on est arrivé. C'est possible, mais peut-être donc, aussi qu'on majorera. C'est pas possible. Qui jaillit. Tout à fait. Là, je ne peux pas vous dire combien. On a tardé juste le marché est rompu pour 45 mois. Oui. C'est 40 ans, non, c'est 45. C'est sur une année civile.
Oui, parce que bon. Et pendant je dirais, ces 4 ans, on va subir l'augmentation de l'assurance des années suivantes. Oui. Avec un coefficient qui est déterminé, ça augmentera pas. Comme toute compagnie d'assurance. Mais par contre, il est fort possible qu'on prenne des garanties supplémentaires si effectivement on estime qu'il faut le garantir. Parce qu'en fait, le sujet, il est là. Hein, il n'est pas sur parce que, effectivement, les montants des primes par rapport au montant global du patrimoine. Il est sur ce voilà. Voilà. Il est sur un niveau plancher, je dirais. Donc on ne peut que. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, et on inscrira donc en cours d'année.